إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ô vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en joins ainsi qu'à vous, la crainte d'Allah jalla jalalu. Donc ici nous continuons, nous sommes toujours dans le chapitre de l'éducation des enfants. Donc ici, ne laisse pas tes enfants dehors le soir, car les démons se répandent sur terre à ce moment-là. Et il se peut qu'ils nuisent à tes enfants. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit, comme il est rapporté de Jabir, radiyallahu an, il rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit: quand arrive la nuit, en fin de soirée, retenez vos enfants auprès de vous, car les démons se répandent à ce moment-là. Quand il fait complètement nuit, laissez-les et fermez vos portes en mentionnant le nom d'Allah, car Satan n'ouvre pas une porte fermée. Et il est rapporté également dans Sahih et Muslim: il faut laisser l'enfant se distraire de temps à autre. Si on lui interdit systématiquement de jouer, son intelligence risque de s'amoindrir. Et il risque d'éprouver de la lassitude et l'ennui. Si les parents veulent que leurs enfants se distinguent des autres, qu'ils s'attachent à leur offrir une éducation islamique, en leur enseignant le Coran et la Sunna du prophète, alayhi salat wa salam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Un des facteurs qui élève le degré des parents musulmans dans l'au-delà est l'invocation de leurs enfants pieux en leur faveur.
comme cela a été authentiquement rapporté dans le recueil de Muslim, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu. Le prophète alayhi salat wa salam dit, lorsque l'être humain décède, ses actes prennent fin, sauf trois d'entre eux. Une aumône dont on continue à bénéficier après sa mort. Une science qu'il a enseignée et dont les gens tirent encore profit. Et un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Abu Hurairah radiallahu anhu rapporte aussi que le prophète alayhi salat wa salam dit « Allah élèvera le degré d'un serviteur pieux au paradis. Ce dernier s'écriera « Seigneur, que me vaut cet honneur ?» Allah répondra « C'est en raison des demandes de pardon que ton enfant a formulé en ta faveur. » Ce hadith est répertorié dans As-Sahih al-Musnad. Un des avantages découlant de la piété de l'enfant est qu'il honore ses parents et se charge à remplir leur engagement même après leur mort. Après la mort de son père, l'enfant pieux, Jabir, radiallahu anhu, fit tout ce qui était en son pouvoir pour rembourser les dettes de son père. L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, rapporte que le père de Jabir, radiallahu anhu, décéda en ayant contracté une dette auprès d'un juif. Et Jabir, radiallahu anhu, demanda un délai au créancier qui refusa de lui accorder. Jabir demanda alors au prophète, alayhi salat wa salam, d'intercéder en sa faveur auprès du juif. Le prophète, alayhi salat wa salam, se rendit auprès du juif, à qui il demanda de prélever son dû dans les fruits de ses dattiers. Mais il refusa. Donc le prophète, alayhi salat wa salam, pénétra alors dans la palmeraie, marcha parmi les dattiers, puis dit à Jabir, radiallahu anhu, prépare-lui son dû. Jabir se mit à préparer les dattes après que le prophète alayhi salat wa salam fut parti. Il donna le dû à ce juif et Jabir radiallahu anhu alla voir le prophète alayhi salat wa salam pour l'informer de cet événement. Mais il le trouva en train d'accomplir la prière du Asr. Quand le prophète alayhi salat wa salam a terminé sa prière, Jabir radiallahu anhu l'informa du surplus de dattes. Le prophète alayhi salat wa salam lui dit, va informer Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Jabir se rendit auprès de Omar radiallahu anhuma, et l'informa de ce qui s'était passé. Et Omar radiallahu anhu lui dit, lorsque j'ai vu que le prophète alayhi salat wa salam s'était introduit dans ta palmeraie, j'ai tout de suite su qu'Allah en bénirait les fruits. Si les parents sont vertueux et que les enfants le sont, aussi sans pour autant atteindre le degré de leurs parents, Allah élèvera le degré des enfants pour leur faire atteindre celui de leurs parents par bienveillance à leur égard et par générosité. Allahu Jalla wa Ala dit dans le sens du verset,
ceux qu'ils auront cru, et dont les descendants les auront suivis dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura accompli. Un enfant peut être un bienfait pour les parents en leur obéissant et en les honorant. C'est ce genre d'enfant que les pieux ou bien les gens pieux demandent à Allah de leur accorder. Comme Allah Jalla Jalalu dit dans le sens du verset, et ceux qui disent, Seigneur, fais que nos épouses et nos descendants soient une réjouissance pour nous et fais de nous un guide pour les pieux. Efforce-toi de faire en sorte que ton enfant fréquente les gens pieux. Salman a apporté son enfant Anas au prophète alayhi salat wa salam. Et il lui dit, Anas est désormais ton domestique. Ô messager d'Allah, le prophète alayhi salat wa salam a dit alors, ô Allah, augmente ses biens et sa progéniture et bénis-les pour lui. Hudayfa, quant à elle, demanda un jour à son fils, Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, à quand remonte la dernière fois que tu as vu le prophète, alayhi salat wa salam? Hudayfa dit, cela fait telle et telle période que je ne l'ai pas vu. Ma mère me gronda sévèrement. Et je lui dis, laisse-moi me rendre auprès du prophète, alayhi salat wa salam, pour accomplir la prière du Maghrib avec lui. Et lui demander qu'il invoque le pardon d'Allah en ma faveur et la tienne. Je me rendis alors auprès du prophète, alayhi salat wa salam, fit la prière du Maghreb à ses côtés, mais il ne cessa d'accomplir les prières surérogatoires jusqu'à l'heure du Isha. Après l'avoir accompli, il quitta les lieux et je le suivis. Il m'entendit derrière lui et demanda, qui est-ce? Hudayfa? Je répondis oui. Il me dit, que veux-tu? Qu'Allah te pardonne ainsi qu'à ta mère? Il me dit ensuite, voilà un ange qui n'était jamais descendu sur terre avant cette nuit. Il a demandé à son Seigneur de lui permettre de me saluer et m'annoncer la bonne nouvelle que Fatima sera la reine des femmes du paradis. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc les parents doivent déployer tous leurs efforts dans l'éducation de leurs enfants. Mais seul Allah peut les guider. L'être humain, ne pouvant se guider lui-même, comment pourrait-il guider autrui? Ainsi Nuh, alayhi salam, un des prophètes d'Allah, n'a pas pu guider son fils. Il lui a pourtant demandé avec insistance d'être avec lui et de ne pas faire partie des mécréants. Comme Allah Jalla wa Ala dit dans le sens du verset, et Nuh appela son fils qui restait en un lieu écarté. Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les infidèles. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Nuh, alayhi salam, lui dit,
Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Les vagues s'interposèrent alors entre eux deux, et le fils fut du nombre des noyés. De même que Ibrahim alayhi salam a exhorté son père à délaisser le polythéisme dans plusieurs sourates, mais son père n'a pas pris le conseil de son fils et il lui a même dit: si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Et le prophète alayhi salat wa salam n'a cessé d'insister auprès de son oncle Abu Talib pour qu'il embrasse l'islam, mais ce dernier refusa et mourut en tant que polythéiste. Et les exemples de ce genre sont nombreux. Ceci arriva aussi à beaucoup de nos prédécesseurs. Et comme dit le poète, quand la nature d'un individu est corrompue, aucune éducation ni aucun éducateur ne seront utiles. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك